Pour cette visite du musée Kobba, qu'on trouve dans la Médina, près des bijoutiers. Donc, en fait, le monument a été bâti au Xe siècle. Et donc, il a eu plusieurs fonctions. C'était un foundouk, une auberge, une vente à la criée. Alors, il a été converti en musée ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce musée? Ben, on expose dans des pièces séparées des simulations de la vie quotidienne de la région de Sousse. Alors, c'est quoi ces simulations? Des mariages traditionnels, des préparations de couscous, outils, pardon, parures. Alors, ce monument, il est muni d'un dôme, que vous avez sûrement vu au début du film. Donc, il est crénelé en zigzag. Et en fait, c'est l'unique exemplaire en Tunisie. Alors, tout cela, cette architecture repose sur une construction traditionnelle. Alors, ça permettait mieux de repousser les rayons de soleil, alors de maintenir une température agréable à l'intérieur, ce dôme-là. Alors, donc, comme je vous ai dit, donc c'est un petit musée, donc c'est bien pour les enfants. Donc, comme vous voyez à l'écran, ce sont des scènes de la vie quotidienne. Donc moi, bon, je suis venu et puis voilà quoi. Donc je vous montre à l'écran hein, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc moi j'ai fini de vous raconter l'histoire de ce musée. Hein, et donc je vous souhaite une bonne visite et je vous dis à bientôt.